Bah salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Alors aujourd'hui on est parti sur un petit bivouac tardif, parce que là c'est déjà 19h passé, on est parti ce soir, on pouvait pas faire autrement, mais on avait envie d'en profiter. Ce soir vous aurez l'occasion de voir un nouvel invité, Rémi qui est avec moi, et j'ai un nouvel outil à vous montrer, que vous avez peut-être dû apercevoir sur l'Instagram ou sur le Facebook. Donc c'est une machette Condor, la Condor Village Parang. Donc vous aurez l'occasion de voir ça, et puis ben voilà, ça va être rapide, et puis demain normalement ce sera une petite partie de pêche pour clôturer ce bivouac. Bah bonjour à tous, hein. Comme Jessie vous a dit, du coup aujourd'hui on est venu faire un bivouac un peu tardif, donc du coup on va essayer de s'éclater un peu, et demain une grosse partie de pêche qui nous attend aussi, et ce soir on va essayer de faire au maximum au plus vite pour pouvoir allumer le feu et installer le camp, voilà. Bon ben bonjour, moi c'est Quentin, le cousin de Jess. Je vais faire mon premier bivouac ce soir avec du coup Jess et Rémi, et puis comme ils l'ont dit juste avant, on fera une bonne partie de pêche demain. Voilà. Ah mais c'est moi, c'est la première fois que je le sors. Oui c'est vrai. Non, accroche-la, moi je l'accroche par là en général dès le départ. Là, ensuite tu attrapes ta pointe, là, tu t'emmènes avec toi, doucement, hop, ok. Je viens de finir mon camp, donc bah, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc pour moi ce soir c'est la première soirée où je dors en hamac, donc j'ai essayé de suivre les conseils de Jessie et voir si ça fonctionne bien, et après pour la prochaine sortie j'essaierai d'apporter mes améliorations pour voir si on peut améliorer la chose. Bon bah je vais vous montrer, venez avec moi. Donc voilà, là une vue de loin avec le hamac orange et bleu, et le tarp Quechua Décathlon juste au-dessus, en 2 m par 9 par 2 m 04. Et derrière, Jessie qui finit de fignoler son tarp, et avec Quentin aussi de l'autre côté. Donc voilà, bah, je vais vous montrer un peu de plus près ce que ça donne. Donc voilà. Donc voilà. Donc comme Jessie avait apporté en résolution, c'est que mettre un hamac filé au-dessus du hamac c'est pas mal, parce que au moins on a le sac juste au-dessus, si on veut rajouter de la bouffe ou quoi que ce soit il n'y a pas de problème, donc du coup ça évite que les bestioles viennent nous visiter la nuit, même si elles viennent nous visiter, mais bon ça limite les risques. Donc voilà, dans mon hamac dedans je vais avoir le sac de couchage confort 5 degrés de chez Decathlon, avec un tapis de sol Quechua de chez Decathlon avec réfract qui reflète la chaleur. Hop, je vais essayer de me mettre plus comme ça, si vous voyez. Voilà. Et ce soir, j'ai dit à Jessie que j'emmenais quand même une petite couverture polaire à mettre sur le dos pour voir si ça peut couvrir un peu plus au niveau du vent. Mais même si on n'a pas beaucoup de vent pour l'instant. Voilà. Et après, bah, tout ce qui est mes affaires pour le tarp. Donc, voilà. Après moi pour tirer le hamac filet, j'ai utilisé de la corde linon toute simple. Hop, je vous montre ici. Voilà. La corde linon toute simple, j'ai fait juste un nœud 8 pour pouvoir emmener, et après je l'ai fixé avec un mousqueton. Et ici mon hamac filet qui est ici.
On a fini le camp. Là, on peut voir, il vous a déjà montré, mais donc le camp de Rémi, le mien qui est en haut. Et juste un peu sur notre gauche, celui de Quentin. Donc on est tous bien installés là. Ça a l'air vraiment sympa. En tout cas, le coin est très chouette. On a la colline juste au-dessus. Donc c'est vraiment sympa. Maintenant, c'est une forêt où il y a pas mal de chênes. Donc je suppose que quand c'est la période, vaut mieux avoir les bâches au-dessus de la tête. Sinon, on risque de se prendre des petits glands sur la tête. Non, ce n'est pas une bifle. On parle bien de glands. Et là, du coup, on va installer notre feu de camp ici. Donc là, Rémi a déjà mis une pierre. On va essayer de creuser avec ma nouvelle machette. Et puis, voilà. Bon, du coup, pour ce soir, pour le feu, on va essayer d'allumer le feu avec le briquet à silex. Et là, il y a un bouleau mort sur pied. Donc je vais récupérer l'écorce parce qu'elle est bien sèche. Donc ça va nous servir à faire partir le feu. Quand vous avez du boulot comme ça, profitez-en. Parce que c'est quand même assez rare. Et puis dedans, après, avec le bois, on peut tailler des cuxa ou des choses comme ça. Voilà, ce sera bien suffisant pour ce soir. Comme d'habitude, hein, notre outil préféré, la scie fiscale. Franchement, pour couper, hein, ça va bien. Tout à l'heure, par exemple, coupe des gros bons comme ça. Bah, des gros bons. Petit bon, hein, au niveau de la taille, pas bien gros, ça doit faire 8 cm, mais on force pas énormément, donc on gaspille pas beaucoup d'énergie, c'est pas mal. Bon, c'est parti, on va essayer de faire le feu donc avec un briquet à percussion de chez l'atelier Brise Vercors que vous connaissez peut-être. En tout cas, nous, il est de la région, donc je parle un peu de lui rapido. Donc voilà, c'est un cadeau de Quentin incroyablement nature. Et il est arrivé dans ma poche, donc maintenant je m'en sers parce qu'il est quand même plus gros que celui que Jus m'a offert, même si j'adore toujours celui de Jus. Maintenant, on va essayer de faire prendre le... Donc là c'est de la toile de jute carbonisée que j'avais juste avant, et en fait ça marche quand même pas bien. Franchement, il vaut mieux du coton carbo, donc il m'en reste un tout petit bout, donc on va essayer de faire prendre ce morceau là, et on va vite savoir si ça veut bien prendre ou pas. Et normalement j'ai de belles étincelles, donc ça devrait être pas mal. Si j'arrive à faire des étincelles, ça c'est autre chose. Voilà, ça a pris tout de suite là. Bon, maintenant on va mettre ça donc dans la toile de jute pour essayer de faire partir notre nid. Bon, la toile de jute c'est plus capricieux, mais après une fois que le coton est dedans ça va.
Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle lampe que j'ai reçue de chez True Night, pardon, c'est la TN36. Donc, comme d'habitude chez True Night, on a un corps en aluminium qualité aéronautique, on a une peinture anti-reflet, on a trois LED ce coup-ci, le même bouton que d'habitude avec l'indicateur de charge qui est là bleu, donc ça veut dire que les piles sont à fond, et dedans, en fait, c'est 4 AQ18650, donc on peut mettre des piles CR123A, des choses comme ça. Maintenant, je vais vous montrer les différents modes, et donc sachant qu'au max on est à 6750 lumens, donc c'est quand même quelque chose de franchement dingue. Après, je me rappelle plus exactement tous les lumens, mais bon, on va vite le savoir. Donc là, on est en mode fort, donc ça éclaire déjà franchement pas mal. Si on le montre à la caméra, on peut pas regarder en face, c'est vraiment énorme. Donc on va basculer. Faible, moyen, fort. On refait une petite fois. Donc sachant qu'en faible, on éclaire déjà plus que bien. Là, on est en moyen. On voit déjà tout. Et là, en fort. Maintenant, on va passer en mode turbo. Là, on a l'impression qu'il fait jour quasiment. Enfin, c'est quand même assez violent. Donc là, la lampe est éteinte. Et là, on est en mode luciole. Donc c'est le mode le plus bas. Donc chez True Night, ça fonctionne toujours pareil. Hein. La lampe éteinte, on reste appuyé, on passe en mode luciole. Ensuite, on ouvre, on revient sur le mode où on était. Donc là, c'est le mode fort. On double-clique, on passe en mode turbo. Et on double-clique, on passe en mode stroboscope. Mode fort. Voilà, bon, comme d'habitude, on pourrait en parler un moment, donc on pourrait la jeter par terre, toutes ces conneries-là. D'ailleurs, on va le montrer tout de suite, je vais la lâcher par terre. Voilà, la lampe éclaire toujours. On peut l'acheter, l'envoyer en l'air, l'envoyer un peu dans les cailloux, histoire de voir. Ah, là, elle s'éteint. Et voilà, la lampe, elle a rien. Comme d'hab, ça craint absolument rien. C'est True Night, quoi. Merci à eux de faire des lampes comme ça. Là, on peut voir l'impact que la lampe vient de prendre dans le caillou. En fait, c'est normal qu'elle soit arrêtée parce que ça a dû faire sauter en fait le contact des piles à l'intérieur. Un sacré pet qu'elle vient de prendre. Mais bon, aucun problème. On a attaqué les hostilités, donc ce soir on va manger un peu à l'apéro là, du sauce. Alors petit clin d'œil pour chez nous, puisque le sauce en fait il vient de la ferme dessous chez nous, avec un petit peu des rillettes. Donc on est en train de se régaler. Bon, le feu du coup est bien parti là. Bon, on a fait un gros truc, mais après on va pas brûler beaucoup de bois. Surtout là en fait le bois est hyper humide, donc c'est pour ça que je l'ai mis dessus, mais bon. Et voilà, on va passer le reste de la soirée tranquillou, et on devrait manger ce soir des gnocchis avec des steaks. Donc un bon repas encore en perspective, mais assez simple comme les dernières fois. On est allé chercher l'eau au ruisseau qui est un peu plus bas, là où on va aller à la pêche demain, et du coup, comme d'habitude, la règle d'or, c'est faire bouillir l'eau. Même si l'eau, c'est la fonte des neiges, mais enfin bon, elle vient quand même de la station, donc on va éviter de la boire comme ça, on va la faire bouillir. Bon, du coup, c'est parti, on va préparer là, les gnocchis et les steaks. Donc j'avais oublié, mais on s'est mangé une petite tourte muroise, donc on vous en a pas fait profiter, on voulait pas vous rendre jaloux. Il en reste un peu, là, on peut voir sur la main de Quentin. Donc c'était une tourte muroise à la moutarde à l'ancienne. Vous pouvez imaginer que c'est franchement affreux à manger. C'est pour ça qu'on en a mangé une entière à trois. Et là, on va s'attaquer donc aux gnocchis, on va les faire poêler. Pas du lustre cru, mais on va les faire poêler quand même. Et les steaks, donc sans matière grasse, juste comme ça dans la poêle.
Donc voilà, les gnocchis sont prêtes. Donc du coup, on voulait les faire cuire à la poêle. Mais du coup, on les a fait cuire à l'eau parce qu'à la poêle, ça a fonctionné pas très bien. Donc voilà. Donc là, on va passer au steak avec la poêle. Par contre, ce coup-ci, on va pas les faire cuire à l'eau, les steaks. Même si on pourrait, mais bon, c'est pas le but. Bon, bah voilà du coup le menu. Donc, gnocchi avec beefsteak. Donc du coup, on va se casser la bidasse. Voilà. Du coup, là, il fait 15 degrés. On est descendu à 14 degrés. Et au maximum, on a eu 27 degrés. Donc là, pour l'instant, bah, il fait pas très très froid à côté du feu. Mais bon, après, on va voir dans la nuit si ça se rafraîchit ou pas. Parce que là, on vient de finir de manger, du coup. Oula. On vient de finir de manger. Là, on voit le feu. On voit les deux lampes frontales. Voilà. Donc là, il est 11h15. Même 11h20. Donc, on devrait pas tarder à aller se coucher. Et après, bah, de toute façon, on se revoit demain pour la partie de pêche. Comme vous pouvez le voir, là, ça y est, c'est la fin de soirée, tout le monde est couché. Donc on a encore notre petit feu de camp là qui finit de brûler les dernières branches. Donc on l'a pas rechargé parce que ça sert à rien. Vu que demain on va pas rester très longtemps, c'est vraiment pas utile. Puis donc là, ben, moi je vais aller me coucher comme tout le monde. On est tous installés dans nos hamacs là, alors du coup bah, on aura les retours de tout le monde demain, mais ce sera assez sympa parce que Quentin et Rémi ils ont jamais fait. Rémi il a fait une petite sieste un coup dans un hamac mais qui n'était pas de la qualité étiquette to the moon, et Quentin bah, c'est tout nouveau pour lui. Ah non, il a déjà dormi dans un hamac mais c'était en camping, donc pas tout à fait la même approche. Et puis bah voilà, donc on aura les retours de tout le monde. Et bien sûr le mien, mais bon, le mien en général il reste assez positif. Là ce soir j'ai même pas mis le sursac, on verra justement demain pour le retour sur la fraîcheur. Bon, bah, il fait 14 degrés donc on devrait être tranquille. Mais sur ce, à ceux qui regardent la vidéo, je vous dis à tout de suite, et puis sinon bah, bonne nuit. Ça y est, c'est le matin, on est tous réveillés là, du coup ben, il a fait 10 degrés pendant la nuit et il fait toujours 10 degrés ce matin. Donc là on est tous réveillés. Donc on n'a pas rallumé le feu ce matin pour le thé, on se sert en fait du petit réchaud de l'armée. Donc moi c'est le S-Beat que vous devez connaître à pastilles. Et Rémi c'est celui de l'armée aussi, bon, c'est exactement le même principe. Et donc on fait chauffer l'eau comme ça parce que c'est bien suffisant. Ça sert à rien de rallumer la flamme comme on dit. Bon bah j'ai très très bien dormi. Non bah, c'était pas super confortable mais j'ai pas été trop emmerdé dans la nuit. J'ai fait une nuit d'un trait donc ça a été. Et le hamac, je préfère dormir sur terre quand même. Après c'est sympa aussi. Je vais pas faire tralu. C'était pas mal. Ah bah bonjour à tous, bah du coup moi pour ma part j'ai pas trop mal dormi. Bon je pense que la hamac elle était légèrement trop tendue, mais bon comme je suis assez léger du coup ça s'est passé. Et en fait heureusement aussi j'ai pris un petit oreiller gonflable dans la nuit, en fait j'ai mis sous la tête parce qu'à un moment mes pieds se sont retrouvés au-dessus de ma tête. Donc du coup grâce à l'oreiller mes pieds sont restés au même niveau que les pieds. Donc j'ai pas trop mal dormi à part que j'ai eu l'impression de me voir redormir, mais sinon j'ai passé une bonne nuit. Après, j'ai quand même encore une préférence pour la terre. Après, il faudrait que je refasse encore des sorties hamac pour vraiment m'habituer au hamac. Bah bonjour, comme j'ai dit hier soir, du coup, ça y est, vous avez directement la transition. Donc cette nuit, bah, hamac pour tout le monde. Bah, pour ma part, c'était pas terrible non plus. C'est la première fois que j'ai pas très très bien dormi. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais mal calé en fait. Mais déjà j'ai eu du mal à remonter mon sac de couchage. J'ai du mal à remonter mon sac de couchage. Puis vu qu'en plus c'est le vrai sac momie, donc il n'y a qu'une fenêtre comme ça, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais je pense que j'aurais dû faire le choix en fait de prendre le sursac hier soir. Parce que j'ai senti le frais dans le bas du dos et je pense qu'en fait c'est pour ça que j'ai pas très bien dormi. Voilà, sinon je me suis pas réveillé un milliard de fois non plus, donc bon, bah, dans l'ensemble ça va, hein, j'ai passé des pires nuits en bivouac. Donc bon, bah comme d'hab, j'aime quand même le hamac.
Bon, bah, dernière fois qu'on voit le montage là. Là, moi je vais aller commencer à démonter. Et puis ce sera le départ pour notre partie de pêche. Bon, bah le camp est quasi plié là. Maintenant on va quand même assez vite parce qu'on a mis quoi, un bon petit quart d'heure. Ouais, c'est ça à peu près. Et vraiment, ça tabasse. Bah, déjà avec la technique pour rembourrer les sacs de couchage, ça allait super vite. Là, Quentin, il ne reste que la fêtière. Donc bon, bah c'est vraiment sympa. Et maintenant, bah, on va partir à la pêche. En plus, je vois le soleil en train de se lever, ça devient super joli. Vraiment, le coin, ça fait vraiment classe avec les chênes et tout. Ça fait forêt à l'ancienne et entretenue, donc c'est très très sympa. Bon, bah du coup, là, le bivouac, bah, il prend fin. Là, du coup, on va aller à la pêche, bah, faire notre bonne partie de pêche. Là, on s'est 8h30, donc on devrait être vers 9h dans le ruisseau. Donc du coup, bah, pour ma part, moi, je vous dis dans une prochaine vidéo des indomptables dauphinois. Bon, bah, pour ma part, c'était super, super bien. J'ai bien adoré la premier bivouac que j'ai fait avec Jess et Rémi. Je pense que vous allez me revoir dans les vidéos parce que je vais finir par l'emmerder un peu pour revenir. Et puis maintenant on va aller à la partie de pêche. Donc à plus. Bon bah voilà, le bivouac qui s'achève comme d'hab, vous connaissez un peu la musique. Bon, la vidéo elle s'achève pas tout de suite, restez avec nous. On va aller maintenant se régaler dans le ruisseau. C'est une découverte de Rémi et de moi, un coup qu'on est descendu du Taillefer. Bon bah super bivouac, ravi d'avoir accueilli mon cousin parce que c'était sa première et nous donc c'était la première fois qu'il venait avec la troupe. Avec Rémi, bah comme d'hab, nous deux c'est fusionnel comme on dit. Donc bon bah super. Et bah le coin magnifique, je pense qu'on reviendra ici. Seul bémol, bah il n'y a pas le ruisseau qui est juste à côté. Donc bon bah ça c'est un peu dommage parce que j'aime bien le bruit de l'eau, vous me connaissez maintenant, mais bon. Dans l'ensemble, un super bivouac, rapide, mais vraiment au top, comme d'habitude. Allez, on se retrouve dans l'eau. On y va ? Et ça y est, début de la partie pêche. Rémi est parti dans un des premiers trous là. Donc c'est vraiment vraiment splendide. On peut voir là-haut la cascade. On va aller là-bas et puis après on va redescendre. Bon bah là Jesse vient d'avoir une petite touche, bon c'était une petite truitelle. Donc il a préféré faire un peu plus tôt pour éviter de la faire sortir et de la blesser. Voilà. Alors Rémi est en train d'attaquer un superbe trou là. Bien qu'il y ait les câbles des conduites de chez je sais pas qui, de DF je pense, j'en sais rien, ce qui fait moins joli. Mais bon, le cadre malgré tout il est splendide. Rémi, il faut ferrer. Voilà, ah, Rémi a ramené une truite. Ah. A priori, la truite elle est maillée, on va remesurer à plat. Bon, bah, Quentin vient de faire une truite. Hein. Bon, bah, la journée de pêche elle commence bien parce que Jessie a une touche. Bon, bah, j'ai eu la touche et la maillée, et Quentin, là,
vient de faire une touche, donc je ne sais pas si elle est maillée. Jessie va me confirmer. Combien? 21. Bon bah du coup elle est pas maillée. 21, il fait une truc de 21, mais bon, sympa. Il y a une belle attaque dans le trou là-bas. Comme on peut le voir. Donc elle est partie un peu sous le tuyau et après bah, il l'a ferré, il est ressorti avec. Bon bah on continue. Donc toujours dans le ruisseau au niveau du. Et voilà. Donc là, Jessie a une légère petite couche. Après là on vient d'en refaire une à 2,29. Et on continue la pêche. Bon ben voilà, la journée s'achève. Donc du coup, on vient de finir le ruisseau là. Bon bah le ruisseau ça nous a encore bien cassé là. Du coup là, vivement midi pour qu'on aille manger. Et on se reverra sur une prochaine vidéo normalement en septembre. Donc à ciao, bye bye. Bon bah voilà, on a fini la partie de pêche et cette journée va s'achever après un super bivouac. Malgré le mal de dos qui a commencé à me prendre depuis que je me suis retiré de ce hamac. Mais bon, sinon ça a été une superbe journée et vivement la prochaine fois. Voilà. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On a passé un super moment tous ensemble. J'espère que vous aurez ressenti en tout cas les bons moments qu'on a passés. La pêche a été bonne pour Rémi particulièrement. Il a eu 2 truites. Et Quentin et moi on a réussi à faire une petite chacun, donc on a pu voir le poisson quand même, c'était agréable. Et là... ouais, il y a Rémi qui est en train de faire le con à côté là. Donc bref, un bivouac encore bien sympa, et là on est bien claqué, donc on va s'en faire. Bon, j'espère que vous avez aimé la dernière vidéo des Indomptables Dauphinois. On se retrouve sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur le site internet, et bien sûr sur Facebook. Allez, à ciao, bye bye.